Chroniqueur occasionnel de Cyril Hanouna sur Touche pas à mon poste depuis quelques années, Jordan Deluxe est également aux commandes de sa propre émission quotidienne diffusée sur C8. Baptisé chez Jordan, ce rendez-vous est programmé chaque matin sur la chaîne du groupe Canal+. Le concept du programme est très simple, étant donné qu'il s'agit d'une interview entre l'animateur et un invité différent lors de chaque numéro. Cependant, depuis quelques semaines, il semblerait que Jordan Deluxe soit dans le viseur d'un célèbre chanteur français. En effet, l'animateur a affirmé sur son compte Instagram qu'il se fait insulter par Hervé Villard sur Facebook. Pour étayer ses accusations, Jordan Deluxe a publié plusieurs clichés des messages insultants publiés par Hervé Villard sur Facebook. Je trouve lamentable que des gens brillants se prêtent à votre jeu débile. L'aigreur, moi je ne connais pas. Je dis ce que je veux face de rat, a notamment écrit le chanteur. Je n'aime que plus. Hervé Villard dit des horreurs sur l'émission. S'il m'entend, Hervé Villard, lâchez-moi les baskets. Il commente que des horreurs, que des méchancetés. Il ne veut pas faire l'émission. Qu'il ne la fasse pas. En plus, je ne lui ai jamais demandé de faire l'émission. Ça suffit. Général Bol, a ensuite déclaré Jordan Deluxe dans une vidéo, toujours sur Instagram. Jordan Deluxe, ses invités dévoilent le montant de leurs revenus dans son émission depuis quelques années, l'émission de l'animateur est devenue un passage obligé pour de nombreuses personnalités. Jordan Deluxe s'est notamment fait une spécialité d'interroger ses différents invités au sujet de leurs revenus, mais également sur le montant de leur retraite. Si certaines vedettes se montrent plutôt réticentes à parler d'argent à l'antenne, d'autres en revanche n'ont aucun mal à révéler combien ils touchent, quitte à susciter la polémique. Par exemple, l'ancien animateur emblématique de France 2, Patrice Lafont, n'avait pas hésité à se plaindre du montant de sa petite retraite, en révélant qu'il touchait environ 3 500 euros par mois.